Ça me donne une idée, Elsie. Et si je finissais ma mission ici? Tu vois, j'ai fabriqué un pont. Maintenant, je suis Master Zin, le maître du monde entier. Moi aussi, je peux en faire une. Encore mieux. On va accomplir une mission à deux. Bonne idée, Zou. On va aider ma famille à trouver des activités qui n'ont pas besoin d'électricité. C'est parti. Pour notre première mission, on a besoin d'une flûte et d'un tambour. Elles sont là. Suis-moi, Elsie. Mamie, Nanou, puisque vous ne pouvez pas écouter la radio, Elsie et moi, on va jouer pour vous. Oh, quelle bonne idée! Vous avez du talent, les enfants. Eh bien, ici, au moins, il y a de l'ambiance. Je dois trouver quelque chose à faire puisque je ne peux plus tondre la pelouse. Ça, c'est notre mission. On va te trouver une nouvelle activité. Oh! Et que suggérez-vous? Vous n'avez plus rien à planter? Si, justement, il me reste quelques semis à mettre en terre. C'est une excellente idée. Allez, Elsie, continuons notre mission. Direction maman. Maman? Elsie et moi, on a pour mission de trouver de quoi occuper tout le monde sans se servir d'électricité. Je vois. Alors, que me suggérez-vous? Tu pourrais faire la poussière à la place. Elsie et moi, on peut t'aider si tu veux. Oui. Excellente idée, Zou. Voilà des chiffons. Prenez-les. Oui, maman. Bravo, tous les deux. Pourquoi vous n'allez pas jouer dans le jardin? Il fait si beau. Tu viens, Elsie? Alors, papy, ça avance? Ah, j'ai fini mes plantations. Qu'est-ce que je devrais faire maintenant, selon vous? Je n'en sais rien. Quand tu étais petit, tu jouais à quoi, toi? Nous, on n'avait pas de jeux vidéo à l'époque. De que je me souvienne, on jouait à des jeux de plein air, comme la Marelle ou Jacadie. Qu'est-ce que c'est, Jacadie? C'est facile. Je vous demande de faire quelque chose, mais vous ne devez le faire que si je dis d'abord Jacadie. On essaie? Oui. Oh oui. Attention. Jacadie, touchez vos orteils. Bien. Tapez-vous la tête. Vous êtes très doué. Jacadie, tapez-vous la tête. Frottez-vous le ventre. Jacadie, frottez-vous le ventre.